pour l'instant, je suis comme vraiment chez le poche, j'ai l'impression. Ça ne se passe rien, il ne se passe vraiment rien. L'entrevue, je n'ai pas vraiment. Chez le poche, tu te mets un peu haut. Là. Ah non, mais je verrai bien de toute façon parce que j'ai pas joué encore. Et là, ma force, moi, c'est dans le playing. Oui, le Kodak, tout, c'est cool. Mais Chris, quand il vient le temps de jouer, quand je suis en arrière de mon drum, je suis solide, je sais ce que je fais. Je peux bien avoir la tronche la plus dite en drum. Je trippe. C'est là ma force. C'est ça que j'ai hâte de pouvoir démontrer. Bon, on va peut-être acheter ouais, là, qu'il est pas là pour rien. Mais ben là, à soir, tu vois ton solo de drum. On sait pas c'est quoi, là. Ils nous disent à rien. Ça, c'est ma balle de stress, là. Parce qu'à soir, j'ai un duel, là. Fait que je sais que j'affronte un bon drummer en plus. Là. Fait que c'est ma balle de stress. Faut essayer de le soudoyer avec ton sang. Peut-être. Mais je pourrais le pitcher pendant qu'il fait son solo. Mais en tout cas. N'importe quoi, ça, ce matin. C'est le temps du duel. Et là, on va voir en duel le Rudy, Hugues et l'aspirant Alexandre disputer la place pour l'autobus du rock! Restez, c'est le drum combat, c'est là que ça se passe, puis pour moi, le nouveau, il va faire peur. Le gars, il a de la technique, il a vraiment de bonnes frappes. D'après moi, il a vraiment plein des chances d'être dans l'autobus avec les autres. C'est mon opinion. Les deux drummers vont s'échanger la balle et les juges vont devoir décider qui c'est qui est le drummer qui kick le plus de cul. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le temps du duel. À vos machines, les garçons. Bravo les boys! Hey, wow! Alors les juges, c'est le temps d'aller décider et de me revenir avec une autre petite enveloppe noire! Rock and Roll! Hugues, ça allait vraiment bien tiré contre un gars qui avait plus de technique que lui, Hugues. Ça en est vraiment bien sorti. J'essaie de donner plus de show que la dernière fois. Je pense que c'est ça mon point fort. Je sais que je me suis accroché à une petite place, tu sais, puis le fait technique a peut-être moins sorti, mais je pense que de donner le show, c'est mon point fort, là, un petit peu plus. Là. C'est vrai que côté rock, si on se fait à ça, bon, OK. Je pense qu'Alex, il aurait dû m'amener, c'était bon, là, faut que je rentre ici. Mais techniquement, il a mangé ça. Il a mangé 100 fois, là, ça n'a même pas de sens. Ouais, la force peut-être la technique, mais je pense que le côté rock, peut-être un peu moins là, de me faire checker la tête puis de vraiment essayer de défoncer la peau carrément. Là, ça, c'est peut-être un peu moins. Je suis un peu plus minutieux, si on veut, là-dessus. Je préférerais 100 000 fois mieux jouer avec Alex. Tu me la demandes? J'ai deux affaires à régler. Ce côté-là et ce côté-là. Fait que les gars, vous allez patienter parce que je vais régler
ce côté-là en premier. Mais on dirait que... Il y en a un qui va retrouver le confort des bancs d'autobus. Je suis premier à avoir descendu Rudy, puis je suis le premier à revenir, puis c'est cool, là, je suis vraiment content. Je suis dans le tour pareil, j'ai du fun, je suis très beau bout. C'est sûr que je suis un peu déçu de ce que j'ai fait, parce que j'ai comme voulu peut-être montrer un peu trop de technique. Plus technique, ouais. Mais plus moins tête, ouais. Meilleur show, pas assez d'énergie. Ouais. Je pense que Hugues, techniquement, est un meilleur batteur de rock. C'est pas nécessairement le king des solos. Je trouve que Hugues, il a une bonne frappe, puis je pense qu'il mérite de retourner dans la vanne, tu sais. On appelle mon frère pour lui annoncer que je suis dans l'auto brun, man. Allô? Yeah, man. Hey, c'est-tu mon bro? Ouais, mon gars. J'ai fait un duel contre le drummer qui était Rudy, qui était dans l'auto brune. Puis moi, je m'en vais dans l'auto brune, puis lui, il tombe dans le tour bus. Mais, non, c'est ça, c'est cool pareil, ça a des bons points, je trouve, personnellement, même que c'est cool, parce que t'es quand même une belle petite clique, tu sais, puis je trouve que les forces sont plus canalisées quand t'es juste quatre personnes qu'un paquet de monde, t'es voilé en plus, je pense que les Rudy, c'est comme plus perso, c'est plus cool. Oh, tant mieux, mon gars, man. Ok, c'est cool, le bro, man, t'embrasse. Ciao.